Oui. Re les amis, hein, excusez-moi, j'ai fait une petite pause hein, parce qu'avec Didi ça a coupé sur Skype. Non, c'est pas que ça a coupé, c'est. En fait, je voulais déplacer les trucs de Skype, mais d'un coup, j'ai mis le micro accroché. Ah oui. Donc, désolé. C'est. J'ai vraiment pas fait exprès. Alors, mets en partie là. Alors, attends, il faut que je regarde dans vidéo. Normalement, je suis à 9. 8, Donc. 9. Le routier. C'est le routier Morse 10, c'est ça? Non, la vidéo routier. La vidéo routier, oui, parce que le routier, j'ai déjà posté la 11e. Alors, là, je vois. Voilà. Il y a un mois, c'est la vidéo routier numéro 8. Ouais, donc je suis à la 9e. Voilà, la deuxième. Voilà. Donc voilà, les amis, Morse lui est à la neuvième. Voilà. Putain, j'ai fait plus de du routier Mercedes que de la vidéo routier. Vraiment, on peut y aller. Eh ben go, on est parti les amis. Petite livraison, en plus maintenant qu'on peut y rejouer, c'est impeccable. Donc oui, j'ai toujours le Scania, j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher mon Volvo. Mais bon, après c'est pas un souci. Bon, sachant qu'on doit faire 1010 km, donc on fait ça là puis on arrête. Bah voilà. Comme d'habitude, de toute façon, une grande livraison, on n'en fait qu'une. À partir de 500 km, on n'en fait qu'une, et à plus de 500 km, on en fait deux. Voilà. On a le temps de la faire. On a un peu plus d'une heure vingt pour la faire. Ouais bah oui. Pas besoin d'essence. Bon, trace. Un peu à 80 parce qu'il y a une montée, c'est pour ça. Je vois 65. Ouais, mais faut dire qu'on a du pot. Ah, c'est à quelle poche, je passe à 65 aussi. Je suis à 40. 35. Crois le décalage. Oh, 30. Putain, Ouais, mais même en montée, putain. T'as un chariot de combien là? J'ai fait les chariots, c'est des tracteurs, mais j'ai pas commencé. C'est du 13. Merde, 13 tonnes et puis tu montes à une montée à 35. Ouais, c'est pour ça que j'ai freiné. Là, je suis dans les 100, les amis, vous voyez. Donc, oui, je suis en élevé, hein, les amis. Si vous n'avez pas fait attention, je suis en élevé. Ah, par contre, moi aussi je suis réglé en élevé comme Marsu, exactement comme lui. Voilà. Et ça Bon, bug pas pour une fois. le feu Enfin, rouge, oui. qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, nickel. On passe le feu rouge à 100, il nous Quoi? compte pour. Ah ouais, c'est quoi? Moi, il est passé au rouge. Au vert, pardon. Ah, il y a quelqu'un. Alors Oh, mon klaxon Didi, de merde, Kilo! on t'es à la traîne là? Non, mais c'est moi qui. Parce que je crois qu'elle est arrêtée au feu rouge, alors du coup j'ai freiné. Oh, c'est bon, arrête! Vas-y, moi je quitte, hein! Chapeau, hein, les amis, je vous le dis. Quand même, fais gaffe, pas le virage, Laisse quoi. moteur attraper et. Si tu vas devant mon cou, point dans ta gueule! Non, je déconne. C'est Bon, pas puis ça fait original. du bien d'être sur un multi en effet, en plus, ça bonne pas, c'est ça que j'aime bien. Didi, t'as ton camion qui vient d'avancer, de reculer d'un coup sec, là. Tu connais Michael Schumacher? Bah, je suis son fils. Tu fais ça Schumacher, t'as vu? Méchant! Alors, nickel le virage, là. Oh, mais je devrais la Michael Schumacher, t'es méchant! Donc, comme vous pouvez constater, on bug pas ni l'un ni l'autre, hein, c'est impeccable. On a 11 FPS, l'autre, ça va.
Bon, je pense que si je tourne une vidéo en multi, en réglé comme ça, c'est mort. Bah écoute, moi je fais du 8-9 FPS, donc il n'y a pas de souci. Il y a des gens, je crois, devant. Il me semble, hein, parce que t'as pas eu un petit coup de lag? Si, exactement. Ah oui, il est sur l'autoroute, ils sont sur l'autoroute, c'est bon. Ça se trouve qu'il y a eu du monde parce que j'ai eu une putain de baisse en FPS. Et pas comme moi, hein, t'inquiète pas, bon là ça va un peu mieux. Y'a pas de soucis. Ah ouais, mais oh putain, ouais, je me disais aussi pourquoi t'as vu tout le monde qui a. Bah, sur Europe 1, mon pote, c'est comme ça. Hein. Ah bon, on dirait que c'est moi qui ai voulu y aller. Voilà. Comment ça, je ne sais pas. Les mecs que tu vas voir, tu peux les klaxonner, ils klaxonnent. Perso, moi, ils m'ont klaxonné. Bah moi, le premier camion, il m'a klaxonné sans que je le klaxonne. Ouais. Mais bon, j'y ai quand même répondu, tu vois. Ah, lui aussi klaxonne. J'ai même pas klaxonné, il a klaxonné. Ah, j'ai klaxonné après. Ils disent bonjour, oui, j'ai bonjour. Ils disent bonjour avant de changer un revoir. Ah oui, parce que toi, c'est vrai que dans le chat, tu peux le voir, toi. Non, mais ouais, mais ils ont pas parlé, hein, t'avais pas. Ah, je croyais qu'ils avaient marqué bonjour dans le chat. Non, mais ils klaxonnent, bah pour moi, c'est bonjour. Et moi, je leur dis au revoir. Ah, bah, c'est sûr. Klaxonner, quoi. Ouais, comment je te vois au ralenti, mon Didi? Non, moi, je roule pas vite. Je suis à 20 km heure. En attendant, parce que là, je te vois plus. C'est normal que je suis au ralenti à 20 km heure, tu m'étonnes. J'ai accéléré, mais c'est arrivé. Donc, la qualité de marche que vous voyez, bah, c'est la même que moi. Voilà. En disant que c'est une bonne qualité, quand même. Ah ouais, franchement, pas mal. Ça change un peu d'être comme ça que d'être en faible. Ouais. Perso, je préfère être comme ça que d'être en faible, hein, je te le dis. Bon, quand j'allume mes phares, je perds 1 voire 2 FPS. Là, par exemple, je suis à 9 FPS pour te dire que tout va bien, quoi. Bon, c'est sûr que je dois avoir plus de kilos que toi parce que j'ai du mal dans les montées. Mais... Ouais, je crois que l'armure comme ça, je pense que c'est 25 ou 24 tonnes. Voilà. Donc c'est pour ça les amis, vous en faites pas si vous voyez des fois Didi me mettre une brindille, hein, mais il a moins lourd que moi. Ah, j'en ai dit 13, ouais, parce qu'effectivement ça change pas. Encore, je dis me mettre une brindille, ça va, je te vois quand même devant. Par rapport à avant qu'on se mettait en élevé, que toi tu me traçais ou... C'est normal que je roule pas vite, je t'attends un peu. C'est ça qui est chiant, quoi, avec le poids d'ébène, on n'a pas les mêmes poids. Mais bon, ça m'empêche pas de monter à 120 quand même, presque, les amis. Vous voyez, je viens de prendre un excès de vitesse, ça commence. C'est la journée de Marsu aujourd'hui, hein. Voilà, c'est pour le retour sur la vidéo d'hier. Ouais, effectivement. Et heureusement qu'on a trouvé ce que c'était qui t'embêtait. Ah ouais. Parce qu'on n'aurait pas trouvé lui. Comment dire, on aurait pas été dans la merde. Ah, tu m'étonnes. J'aurais été obligé de carrément abandonner la série. Non, j'aurais carrément désinstallé Steam et remettre. Ouais, bah oui, au pire oui. Simplement, on va pas aller jusque abandonner la série non plus. C'est à peu près une live. Bah voilà, surtout qu'en plus je suis bien suivi. Et puis moi en fait j'ai un nouveau abonné mec. C'est avec le pote avec qui je jouais sur Armode. Ah oui. C'est abonné sans que je lui demande. Baguette de goût. C'est cool. Donc j'ai fait une petite dédicace, hein, passant. Donc parce que je pense que je vais lui passer ta chaîne, si ça te dérange pas bien sûr. Pas de problème mon Didi, écoute, on bosse ensemble, t'as l'autorisation de donner ma chaîne à tous tes potes. Merci.
écoute, si c'est pour faire un boulot ensemble et puis qu'il y a que nous, avec mes abonnés qui regardent, c'est pas trop intéressant, tu vois. Ouais. Que si t'as des potes qui veulent te regarder en vidéo, bah, c'est le moment, quoi. Bon, je m'en fous, mais hier, je le dis fort et haut, comme quoi que je te donne l'autorisation de partager ma chaîne, parce que si tu partages ma chaîne sans mon autorisation, YouTube, ces cons-là, ils sont capables de gueuler. Mais là, au moins, ils sont au courant que sur cette vidéo, je t'ai donné l'autorisation, donc il n'y a pas de souci, tu la partages à qui t'en envie. Au contraire, ça me dérange pas. Plus on est de monde, Ça se voit plus envie. bah voilà. Bon, même nous, on rigole bien déjà. Par contre, si tu pouvais ralentir un brin, mon Didi, parce que je me suis tapé le mur. J'ai pas le temps, je suis au chômage. Suis au chômage. Qu'est-ce que tu crois? Bon, je dis. On est en train de Je rappelle ça, au moins je dis. Oui. Pour la vidéo, on va peut-être pas sortir le mot quand même. Mais tu sais, Kajou. Qu'un bon. Non, non, je pense pas, par contre. Tu sais, Gadio, il n'y a rien de plus bon. Ah, si, il y a quelque chose d'autre. Oui, mais bon, ça c'est pareil. C'est sûr qu'une terre fraîche. Merci, à tout de suite. Le petit cochon. On mange des harisses. Non, je déconne. Bah, faut que j'arrête de chanter parce qu'après c'est quoi, ils sont bien posés mes deux ordinateurs. Bah t'es où là? Oh Je suis vers un champ de paille. putain, j'ai pas entendu, j'ai pas ça celui-là. Mais après je joue la 4 s'il te plaît. Mange des arrêts. Moi je vais m'arrêter au parking sur le côté. On mange des. J'ai trop envie de dire le mot. Mais je vais pas le dire. Après, on va le dire. On n'a pas dit. Non, on a dit des cornichons. Pareil. Voilà, à part qu'on rajoute un gros à la place de corps, en fait, je pense que voilà, ça devrait suffire, les gens ont compris. Mange des cornichons. Voilà, on va ajouter gros devant, c'est tout, à la place de corps. Et vous avez la phrase. On mange des. Mange des gros. Ah merde, putain, bordel. Voilà. On est arrivé les mains dans le glaçon. Comment on est pas là? On coupe pas dans ta gueule, moi c'est trop tard. On va les clés, tout le camion. On se tirer, faire chauffeur routier aussi. On est arrivé les mains dans le glaçon. Avec la. En action. Eh mine de rien, je t'ai bien rattrapé. Oh, t'as pas de mal, je suis arrêté au parking. T'es à combien là? Je suis à 120 km/h. Je suis à 150, je crois. Je jouais à fond sur l'accélérateur. C'est dans mon camion, en fait, c'est ma maison. Chauffeur routier. Et oui, c'est peut-être moi dans quelques années, ça, ma biche, ouais. Voilà, comme ça tu me ramèneras des paquets de pop de luxe. Maintenant tu iras te faire bien enculer, ouais. Non, je rigole. Non, normalement j'y vais le mois prochain au luxe. Ouais. Si j'ai ma pension, mon pote, je vais aller faire mes clopes là-bas. Il va courir, là.
Avec la somme que je t'ai dit qu'ils me doivent, hein? Oui, effectivement. Oh, je vais pouvoir me faire un bon Noël. Oh, purée, mauvais fonctionnement de moteur. Les pneus qui sont rouges. J'ai pas une voiture et je pars en autoroute. J'ai pas mon permis, j'ai pas mon très grand ami. Pourquoi je chante en fait? J'aime bien chanter. Je sais pas pourquoi. Mais faut pas que je chante en vidéo parce que sinon c'est mort. Ah bah tiens, on a retrouvé l'appel 2. Ah, je lui ai dit pas si. On va l'entendre. Et blanc, encore un excès de vitesse. C'est la tournée du patron. Voilà, c'est gratuit. Si c'est bon, je dis ça aux abonnés, mais voilà. On essaye, ça fait très longtemps qu'on l'a dit, mais on l'a toujours pas fait. Tu sais de quoi je parle là-dessus? Oui, du nom d'entreprise qu'on a toujours pas trouvé. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce qu'on cherche, mon couffre. Tiens, tu sais à qui je vais poser, je vais demander? Manu Mimine. Voilà, mon petit Manu. Comme il y a toi qui me poste des commentaires en ce moment, je voulais savoir si tu pouvais essayer de me trouver un bon petit nom d'entreprise. Ouais, merci. Pour moi et Didi. T'inquiète pas, hein, tu meilleur le nom d'entreprise que vous nous donnez en commentaire, on le prend. C'est bon, ça fait trop longtemps qu'on galère à en trouver un, nous, donc... Manu... Si, j'avais dit une fois, mais... Non, il y avait que Ranger qui avait dit oui, donc non. Ah bah c'est Ranger qui dit oui, non. Mais par contre Manu, si toi t'en trouves un bon, je sais pas, tu me le postes en commentaire, tu me dis tiens, ce petit nom là, d'entreprise, ça serait sympa. Après, de là, je montre le nom à Didi, ou Didi le verra aussi dans les commentaires. Je pense que les commentaires, toi tu les vois aussi, non? Moi je les vois, ouais, mais je regarde pas vraiment souvent en fait. Bah, au pire, je te le posterai sur... Sur Skype, en te disant, tiens, Manu nous a trouvé ce nom-là, est-ce que c'est bon? Et puis si c'est bon, bah voilà, on se mettra le nom d'entreprise comme ça, y a pas de souci. Je vais te dire un truc, le scanner, il bouffe. Ouais. Oh, le Volvo, ça va. Ouais. Le plus qui bouffe, c'est quand tu fais des longues distances, quoi. Tu vois pas vraiment ton essence descendre. Ouais, bah oui. Allez, il me reste... Oh si, ça va, il me reste quand même 851 litres, donc c'est bon. Ouais, alors on a le temps. Ah, je peux encore faire 2656 km avec, donc y'a pas de soucis. Ouais, bah oui, largement, on aura 6, il nous reste 600 bornes pour faire. Donc oui, hein, on fait qu'une livraison, hein, les amis, vu que c'est quand même une longue distance qu'on a pris, là. Oui, donc je pense que j'ai dit, mais je vais le redire. 500... une à moins de 500 km, on en fait 2 par 3, mais plus de 500, on en fait que... Enfin, non, on va dire plus de 700, on en fait que une, et moins de 700, allez, on en fait 2. Voilà, moins de 700, on en fait 2, et plus de 700, on en fait 2. Comme ça, c'est réglé. Bon, c'est pareil, je vais dire un truc aussi, les amis. C'est que la petite technique, là, je sais plus quel youtubeur qui avait conseillé de faire comme ça, je poste mes vidéos assez rapidement maintenant. C'est pas le simulateur belge, tu dis? Je crois, hein, il me semble, qu'il s'est fait critiquer. D'ailleurs, le youtubeur s'est fait critiquer. Parce qu'il postait ses vidéos en 720p. Moi, excusez-moi, hein, je dis ça comme ça, les amis, mais moi, d'entendre des gars qui critiquent... Ça me désespère parce qu'en plus le simulateur, ouais je crois que c'est belge, hein, que je t'avais dit. Moi je suis ces vidéos, j'en regarde une paire quand même, hein, ces vidéos. Personnellement, même en 720p, il a quand même une bonne qualité de vidéo. Une fois le rendu fait. Donc personnellement, moi j'ai un d'essayer, donc je poste mes vidéos en 1280x720. Et effectivement, j'ai remarqué que ça arrivait beaucoup plus vite, déjà sur YouTube. Et c'est pour ça que vous avez eu le fermier Marsudis numéro 2 en suivi du routier Marsudis numéro 11 en peu de temps, parce que c'est plus rapide. Et donc, je tenais à préciser que mes vidéos, je vais les poster comme ça maintenant.
Parce que c'est vrai que j'ai vu la différence, hein, un peu à la vitesse, quoi. Admettons, je la mets à midi, allez, à 2-3 heures, elle est finie, quoi. Et les gens sur YouTube et tout, hein, donc, voilà. C'est doux, après. Quand j'entends dire, ouais, tu postes tes vidéos en 720p, t'as une mauvaise qualité, ou une connerie comme ça, excuse-moi. Personnellement, je le suis le simulateur belge. Je vois pas la différence comme s'il postait la une vie. Ça fait la même qualité comme s'il a posté en 1600 par 900, excuse-moi. À part que bon, c'est sûr que quand on met une vidéo en 1900 par 600, ça va prendre plus longtemps. Moi, mettons, ça prend. Allez, ça fait déjà. On va dire 4 heures déjà à la poster. Parce que je la convertis comme tout le temps avec. Merde. Et je me rappelle plus avec Camtasia Studio 8. Après de là, elle se met sur YouTube. Il faut déjà à peu près une heure pour qu'elle arrive bien sur YouTube. Donc en total, ça me fait un total de 5 heures. Là, avec la technique du simulateur belge, allez, je vous dis, je vais peut-être mettre 3 heures à la convertir, mais allez, j'allume YouTube 10 minutes après, elle est déjà mise, quoi. Donc ça me fait un total de 3 heures 10 minutes. Donc, après, ça dépend de la longueur de la vidéo, quoi. Bon, c'est vrai que c'est quand même déjà mieux et c'est largement plus rapide. J'ai continué comme ça, hein, exprès pour que vous les ayez au plus vite, quoi. Et puis c'est tout. En tout cas, c'est vrai que on a franchement une belle qualité, hein, là-dessus. C'est magnifique de voir ça. Bon, j'ai mauvais fonctionnement de moteur, hein, vous en faites pas. Mais c'est vrai que c'est magnifique de voir ça. Donc oui, hein, là vous avez vu la somme d'argent que j'ai, c'est normal, c'est la sauvegarde, hein, faut pas vous en faire. De toute manière, c'est juste pour le multi, hein. Le pognon, la plupart du temps, il ne sert pas à grand chose. Mais... En fait, la base d'argent, c'était juste pour les garages. Voilà, voilà. Pour tous les avoir comme ça. Quand moi et Martien n'a pas de livraison, et ben on va dans un autre garage, dans une autre ville plutôt, avec des garages, parce qu'on se TP, machin. Après on regarde, et puis s'il y en a pas, on se TP. Ça évite de faire par la route en fait. Donc oui, c'est pareil, je tiens à préciser qu'à partir, je pense, de demain soir, parce que là, ça y est, j'aurai tourné la vidéo de la vie des routiers. Le routier Marseillaise, bon, vous l'avez eu, hein, ça y est, c'était l'11e à l'évêque, donc maintenant c'est lundi prochain. Mais toute la semaine maintenant j'ai plus rien à faire, hein, parce que les Sims je l'ai toujours pas repris pour l'instant, parce que je suis en train de rechercher un site pour le télécharger, parce que là les 2-3 sites que j'ai fait ils peuvent pas se télécharger, je sais pas pourquoi ils se bloquent, donc je vais le reprendre. Donc si vous y voyez pas d'inconvénient, à partir de demain soir je vais commencer ma carrière suivie sur Fermine 15. Attention, quand je parle carrière suivie, c'est carrière suivie sans triche. Donc mon titre pour cette carrière, ça sera toujours le fermier Marseillais, sans souci, à part qu'il n'y aura pas d'argent de cité. C'est tout. Je tenais à en parler tant que j'étais en vidéo, comme ça vous êtes au courant de ce qui vous attend. Donc c'est pareil, je vais essayer de, je sais pas, de trouver des bons petits jeux que je peux faire tourner pour vous faire en vidéo. Voilà. Parce que là, pour l'instant, le lundi et le mardi, bon, le lundi c'est le routier Marseillais, le mardi c'est la vidéo routier avec mon Didi que vous voyez devant. Ouais, donc Didi, ça marche toujours à la trompette. Hein. Ouais. Le problème c'est quand quand moi je suis toi et que toi t'es derrière que tu me klaxonnes que je la vois pas. Donc oui, je disais, donc le lundi, le mardi, il y a ces deux séries là, mais après le restant de la semaine j'ai plus de vidéos à faire. Si,
J'ai dû fermer 2014 à refaire en fait. Il faudra que je pense à la fin. Ben, si je la continue, parce que j'ai remarqué que des fois j'avais des full lags en partage d'écran. Mais bon, à part fermer 2015, maintenant j'ai plus grand chose à refaire quoi. Que bon, JD Bré et tous les autres youtubeurs que je kiffe. Ça va, ils ont quand même pas mal de séries. JD Bré, il a toujours la série sur Farming 13. Mais moi, Farming 13, je l'ai plus, hein, je l'ai supprimé. Il y a eu l'arrivée de Farming 15, donc voilà. Et puis j'avais pas de série sur Farming 13, moi. Tu vois? Donc c'est pour ça que la seule série que j'avais commencé à faire, c'était Le Fermier Marcelise. C'était sur Exploitation Agricole 2014. Plus connu sous Pro Farmer Simulation Simulator 2014. Mais bon, vu qu'il y a eu Farming, je l'ai abandonné aussi sinon. Donc je suis toujours en train de faire ma série du Fermier Marcelis que j'ai apporté exceptionnellement sur 2015. Après, la balade des routiers continuera toujours aussi. Je tiens à le préciser, la balade des routiers continuera sur le multi-door truc. Mais je vais vous préciser un truc, c'est que quand il va y avoir la sortie de American Truck Simulator 2, on va dire le 13 février, parce que j'ai vu un site qui parlait qu'il sortait plutôt, il sortait le 13 à la place du 15. Donc là, ça sera autre chose, parce que mon routier Marsudis sera reporté sur American Truck 2. Bien sûr, je continuerai quand même la série aussi sur Eurotruck, hein, sans souci, hein, mais bon, si je continue la série sur Eurotruck, c'est sûr que je vais pas marquer le routier Marsupis pour American Truck, je sais pas, je vais marquer autre chose. J'essaie de me trouver un petit sympatoche, tu vois. Après, je vais voir, mais bon, je vais quand même la continuer quand même parce que. Je commence à faire des vues, donc je vais pas l'arrêter maintenant, tu vois. Après, c'est sûr que j'aime bien en plus tout ce qui est cibu, hein. Je me cache pas la preuve. Hein. Si j'aimerais pas les jeux de simulation, je serais pas en train de vous faire du Eurotruck, je serais pas en train de faire du farming et tout ça. Les seuls jeux de simu que j'aime pas, que je cours pas trop après, c'est genre les trains simulateurs. Ah ouais, ça, je comprends pas trop après. Après, s'il y a un abonné qui me dit comme ça d'en faire, j'en fais. Pour faire plaisir aux abonnés, j'en fais, tu vois. Mais c'est un jeu que je comprends pas trop après. C'est normal si tu me rattrapes, hein, je roule qu'à 90 parce que tout à l'heure, je vois que tu t'éloignes, tu te rapproches, tu t'éloignes. Non, non, mais ça, t'inquiète pas, c'est le bug du multi, hein. Tous les camions le font, même le tien, des fois, il le fait. Y a pas de soucis. De quand je vois, donc j'augmente mon régulateur de vitesse. Là, tu vois, tu viens d'augmenter ton limiteur, ça commençait à le refaire. Quand tu étais à 90, ça le faisait trop. Le coup, on est des ouf, hein. On prend les virages à version Schumacher, on est des malades. Alors ouais, moi je prends. Je fais extérieur et intérieur après, comme ça. Je fais. En plus avec une manette Xbox, c'est rare qu'on peut se retourner quoi. Parce que oh, t'as fou toi. je vous cache pas qu'avec mon volant, il y a longtemps je m'aurais planté la gueule, là, je vous le dis. Personnellement, non, moi je te prends les virages à 150, j'ai pas de soucis. Ah, t'as la chance de lancer moi, je prends un virage, bim, allez, vas-y. Là tu fais chumorer en côté. Non, non, perso, moi j'ai pas de problème. Après, faut dire que j'ai fait le nécessaire pour bien régler. Et moi, à Noël, normalement, j'aurai un volant. Voilà. J'espère que j'aurai ce que je pense. Oui, c'est sûr. Sinon, j'en aurai rien à foutre. Non, là, personnellement, ça va, j'ai pas de problème, vous voyez. Les virages, je prends un fond de balle. Avec mon volant, je m'aurais déjà tapé la barrière, je vous le Attends, dis. est-ce que tu me vois arrêter? Ouais. Ouais, c'est normal, t'as vu ça. Flo. Vous voyez un peu les amis, le bug du multi c'est ça. Le camion qui avance et qui recule. C'est normal, j'ai arrêté, j'ai fait un retour de 12.
Non, mais même sans ça, hein, t'as ton camion qui avance et qui recule quand même toujours. Hein. Ça, Ça fait... Quoi? J'étais à 140, mec. Bah, Imo. Mais non, c'est pas grave, tout. Bah non, c'est pas grave, j'ai toujours problème moteur. C'est quoi le coup? Des mecs. On va prendre un non, je déconne, c'est l'ordinateur de manche. Ah, il klaxonne pas au lieu par contre. Moi, si, moi, je peux freiner, on peut freiner. Bah, bon mot. Moi, j'avais l'impression que c'était le deuxième. Na, 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 na. Donc, on arrive au tunnel sous la manche, les amis. Ne vous en faites pas. Et on va prendre le train-train. Train simulateur. Donc oui, hein, si vous aimez bien Train Simulator, je peux toujours essayer de vous craquer le 2015, le dernier. Et puis vous en faire, hein, ça me dérange pas, au contraire. Pas toujours, messieurs, on va pas prendre le 2011. Non, mais pour dire comme quoi que je vais pas m'amuser à l'acheter, je vais le craquer directement, il y a beaucoup de style là-dessus, ça fera quoi de l'acheter. Je te vois plus dans le panel, c'est un problème. C'est normal, je suis seulement aux travaux, mec. Ok. Ah, ça y est, commence à accélérer le machin. Si tu bois dessus, mec. Ouais, je te vois, t'inquiète, mec. Donc oui, hein, j'ai tourné un peu plus tard que d'habitude parce que comme Didi était sur Arma 2, j'allais pas le déranger. Alors du coup j'ai attendu que il me contacte sur Skype pour la faire. Et d'ailleurs, il s'éclate. Hein? Je disais d'ailleurs, sur Arma 2 tu t'éclates. Oh, je m'éclate mais pire que ça mon gars. Surtout qu'en plus t'as réussi à retrouver le serveur que t'allais avant. Et merde, j'ai rompu. Parce que le truc que j'avais avant et que je n'arrivais plus à télécharger, c'est s'appelle Instant Life, genre comme dans la vraie vie. Je sais pas si vous avez. Je pense que la plupart on l'ont aussi, vu. Je pense que la plupart connaissent quand même. Enfin si vous préférez, c'est comme Instant Life sur Arma 3. Là, voilà. C'est voilà, et ça, c'est un truc que Didi kiffe. Ah ouais, mais je kiffe, à mort, mon gars. Le seul petit problème, c'est comme on vous a déjà expliqué, je pense, c'est que le jeu, je l'ai partagé à Didi, du coup, ça fait qu'on peut pas jouer à deux. Mais à la base, le jeu est le mien. Avant, je savais pas du tout qu'on pouvait mettre des clés sur Steam. Alors, pour ça, après, j'ai passé mon jeu à Marsu sur Steam pour les clés. Et après, il m'a dit qu'il y avait une mise à jour à 63. Et moi, j'ai essayé avec mon jeu d'installer dans ce jeu, et ben j'avais pas la mise à jour. Et comme je savais pas comment la partager, comment télécharger la mise à jour, et ben du coup, j'ai abandonné. Alors... Ah, ça fait que c'est moi qui l'ai partagé à Didi pour qu'il puisse y jouer. Parce que le meilleur, moi personnellement, j'y joue pas. Donc... Mm. Je te l'avais demandé, je sais même plus, pour essayer, je crois. Ouais. Pour tester, voir comment qu'il était et tout, parce que je t'avais dit que je connaissais pas. Non, mais un de ces quatre, je me le prendrai quand je pourrai, et puis c'est tout. Donc si tu le prends, comment tu vas faire? Parce que t'as mes clés à moi, et moi j'en aurais plus. Mais... Ah oui, c'est vrai que... Bah au pire, on fera inverse. Ouais, bon, à moins que si tu achètes un jour, tu me... Si tu installes les clés, c'est tout. Voilà, moi je garderai ta clé à toi sur mon Steam, et puis toi, t'auras ma clé pour toi sur ton Steam. Ouais, moi ce serait mieux d'acheter Arma 3, carrément, tu vois. C'est le meilleur, tu sais. Ah bah, dans ce cas-là, Arma 3, je le prends en double, hein, mec, alors. En double, du coup, ou pire. Ah mais si
tu te prends en double, tu vas faire comment? Enfin, tu vas faire comment? Tu vas prendre quand si tu te prends en double, par exemple? Bah, quand tu auras déjà mis ici, ça c'est sûr. Ouais, mais avant de l'acheter en double, attends, voir à Noël si ma mère me le prend aussi. Ouais, voilà, parce que ça te le prend, toi tu me le dis. Comme ça, je le prendrai que pour moi. Ouais. Si elle te le prend pas, il faudra que je le prenne en double. C'est quoi, au pire, je lui redemanderai demain. Mais si elle me dit, bah, si elle me dit non, au pire, tu me dirais. Bah, il y aura deux trucs à acheter. Ouais. Arma 3. Ouais. Bon, si ta mère te le, si ta mère te le paye, je le prendrai que pour moi pour qu'on puisse jouer à deux. Mm-hmm. Et il y aura Fermine 2015 aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai prévu de vous faire une série en multi, les amis. Oui, oui. Parce que personnellement, j'avais parlé d'une série en multi sur 2013, mais on était toujours emmerdés. Moi je pouvais aller sur les serveurs sans souci, mais mon Didi pouvait pas y aller. Ouais, dans ton commune, il y a la 3G. Je sais pas si t'as remarqué la blague. Si, si. Pour ceux qui n'ont pas compris, son mec s'appelait Alex 3G. Alors j'ai dit dans son commune, il y a la 3G, voilà. Oui. Bon, j'avoue, c'était pourri, mais c'était obligé de sortir. Voilà, voilà. Bon, il a pas la fibre optique, hein, par contre. Ah là, j'ai dû lui demander, t'as pas la fibre optique. Bon, dis donc, on va proposer la 3G. D'ailleurs, en parlant de fibre optique, les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais SFR, le truc internet SFR va être repris par Numéricable. Ouais. Ouais. C'est Numéricable qui rachète SFR. Donc, je tiens à préciser que tous ceux qui ont une Freebox internet chez SFR, attendez-vous à les renvoyer pour avoir du véritable à la place. Ça va, je suis chaud. Perso, je suis chez Free. Ouais, bon, Orange, c'est bien. Mais... voilà. Orange, il est nickel, mais bon, des fois, c'est. Il y a des petits coups de lag aussi, hein, faut pas dire. Bon, y a, sur tous les trucs hein, qui peuvent exister en connexion, hein. Orange, bah. SFR, Free. Perso, chez Free, j'ai deux ordres. J'ai deux ordi à l'heure actuelle qui sont branchés dessus, plus mon Xbox. Ah mais bon, moi c'est peut-être un petit peu normal parce que j'attends chez moi, je compte mes PC. Pas, pas les miens, mais en tout. Le mien, c'est ma petite soeur, c'est ma grande soeur, c'est ma mère. Et le. Et celui en plateau. En tout j'en ai 5 dans chez moi. Qui tourne en même temps? Ah ouais, des fois ils tournent des 5 en même temps, allez bim, allez hop. Bon, moi je peux en avoir un jour j'avais quoi, j'avais mon PC qui tournait plus. Et encore pendant tu vois je te coupe vite fait, mais d'habitude j'ai la Xbox de mon frère qui va en vacances. Ah oui, non mais moi pour te dire qu'un jour j'avais mon PC, celui de ma femme, la Xbox 360, la PS3, je la gagne en un poil. Oui, parce que moi j'ai tout qui est connecté en wifi chez moi, plus mon portable tactile qui est connecté en wifi, donc tu vois tout ce que j'ai de connecté chez moi. Ouais, bah moi chez moi j'ai tout connecté en wifi sauf l'ordi tour. Oui, bah comme moi l'ordi tour il est en câble. Sauf que mon frère avec sa Xbox il joue pas en wifi, il joue avec le câble, moi je suis en wifi avec la mienne. Alors imagine pas mon gosse si je te compte le téléphone avec, parce que j'ai le mien, j'ai celui de ma mère, de mes deux sœurs, ça fait déjà 4, celui de mon frère, et celui de mon beau-père, alors ça fait 6. 6 plus les ordi, plus la Xbox à mon frère ou la mienne, parce que des fois il y a les deux qui vont sur le temps. Alors je te remonte pas quoi. Alors ça fait une sacrée connexion. Tu m'étonnes. Bon, par contre, mon PC c'est de la merde, mais pour faire tourner Euro Truck comme je suis en train de tourner là, franchement, ça va pas. Voilà, voilà. Le seul petit défaut c'est que mon Didi sur Fermine qui peut pas. Ah, voilà. En élevé il peut pas, c'est pas la peine. Ou alors, si tu pourrais essayer de te mettre en résolution d'écran comme moi je suis. Je suis en 1080, je crois, sur Fermine. Ah,
Allez, moi, comme je t'ai expliqué, si je me mets en 1280, j'ai pas de mon écran. Ah tu vas ouais. avoir du haut et avoir du bas qui sera en noir. Ah ouais, que moi ça va, j'ai quand même tout l'écran. Ouais. Et je te jure, en élevé, tu peux pas. Tu peux pas en avoir du tout. Eh, y'a Chris, il aurait écrit Chris. Alors, c'est quoi? C'est quoi Chris avec Chris? Vous allez vous aimer. Il dit quelque chose. Après Chris. Ça me dit quelque chose, Chris. Hein? Ça me dit quelque chose, Chris. Hein? Eh ben oui, vous allez vous aimer. Non, mais il me semble que j'ai déjà croisé plusieurs fois sur multi. Quel de pouvoir faire tourner un jeu comme ça en élevé, monsieur. Ah, surtout c'est rare sur mon ordi, oui. Oui, sur le tien, oui, mais bon, sur le mien, c'est un peu normal. Là. Mais sur le tien, perso. C'est rare, c'est étonnant même. Surtout sur Europe 1. Ouais. Tu lag pas rien du tout, et puis t'arrives à te mettre comme moi. C'est nickel, quoi. Bah, tu peux faire ça là quand il y a du monde. De moi comme tout le monde, hein. Moi aussi, dès qu'il y a du genre, temps, c'est pas la on peine. Va à Paris, on va à Paris, c'est bon, je l'ai dit. Ouh, bah, en bon, je pense que mon ordi crame sur place. Là, c'est même pas la peine, pour te dire que si je vais à Paris, à mon avis, là, bah, les FPS, je vais monter à 2, quoi. Au moins, le plus que j'ai été, c'est 1. Le moins que j'ai été, c'est 1. Ah oui. Et après, 0, je vais planter. Ah, encore un excès de vitesse, presque à 140. Oh, lui il a arrêté de son côté là. Feu de détresse. Ok, maintenant. J'ai écrit les feux de détresse où là. Je vais dire un truc avant, il y en avait plein. C'est vrai, quand le multi il est sorti au début, mec. Après, le multi il est sorti dans les débuts. Il y avait la radio aussi du multi esprit. Elle existe toujours, hein, la radio. Là, les gens, ils allaient spammer à fond en disant qu'il y avait les trucs qui étaient sur les routes, comme les mecs qui sont arrêtés comme ça, tu vois. Là, tu regardes, maintenant, le multi, il a pris une paire dans la gueule, et bah, maintenant, plus personne n'y va le dire sur la radio, tu vois. Waouh. Oh. On n'a rien vu les amis, vous êtes témoins, on n'a rien vu. Ah non, t'as juste été pris en flag, mais ils font rien vu, t'as pas. Merde. Ils étaient derrière toi, donc ils ont tout vu, tu veux dire. Oh merde. Bon, par contre, je compte sur vous, ne dites pas la police. Sinon, je suis vraiment dans la merde. Oh, par contre, ce qui est bien maintenant, c'est que on peut rouler n'importe où, on est en non-collision. Ah, ça c'est bien ça. Mais bon, ce qui est... dans un sens c'est bien, mais dans un sens non, parce que si on veut faire de vidéos délire, on peut s'entraîner dedans. Ouais, bah oui, on peut plus. On peut en faire des vidéos délire sans souci, mais s'entraîner dedans, on peut plus maintenant, c'est terminé. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça pour les amis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Ils nous ont retiré quand même leur limiteur à la nôtre. Ouais. Oui, il avait vraiment une cabine à la con, oui. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, j'ai repris la drogue, merci, excusez-moi. Ça m'a fait rappeler la deuxième vidéo de Galax, ça. Hein? Quand il avait le camion comme lui, avec la petite cabine. Des fois, je m'amuse à aller regarder encore ces vidéos à Galax. De ses débuts sur Eurotruc et tout, je me fends la gueule. Des fois. Le plus que je me fends la gueule, c'est quand il a la cabine. Tu sais qu'il se retourne et qu'il a la cabine qui lance. Ah oui, Pac-Man. Ah ouais. Ça, c'est quand il avait fait spécial Noël, hein. C'est pas ça? Ouais, je crois, ouais. Avec le Winter Mode, là. Ah, c'est là. Celle-là me fera toujours marrer. Et regarde, celui-là aussi va me faire marrer. Ah, allez, 550 euros, go. Tu vois, le mec avec sa petite cabine, je suis revenu à côté de lui,
Tu fais ça. Pourquoi t'entends mon pote? Tu fais ça. Oh. Il t'a enroulé, mec. Tu m'as doublé. On sait sûr, c'est pas réaliste hein, ce que fait les amis, parce qu'en réel, hein, vous savez, les camions ne passent pas sans prendre. Ne pas sans prendre, passe pas à travers les deux véhicules. Mais tourne pas à 90 dans les virages. Parce que 90, en fait, tu te retournes direct. Ah bah largement, oui. Mais genre là, je suis à 70, moi, et je m'en sens pas. Là, je suis à 80. Et moi, ah ben, regarde où c'est que j'atterris. Allez, fais pas le con, il reste 100 km. Ah non, non, mais je me suis pas planté, c'est juste que en prenant mon virage, j'ai la benne qui a basculé. Quoi. Tiens, un peu comme dans Fermine 15, quand ça dérape. Ouais. Allez, c'est bon, on est reparti. Salut! Y'a du monde par ici quand même! Attends! Salut Gogo! Il y en a un qui s'appelle Gogo, c'est un français en plus. Gogo! Moi je crois que je l'ai déjà croisé aussi. Donc vous pouvez constater que c'est quand même chelou. Chaque fois qu'on arrive ici, il y a toujours la Mongole là-haut. Mais ça ferait une big team! Et j'en ferai un bibi. Mange des arrives. Ouais, on mange des goûts. Et je te ferai des cornichons. Oh, des cornichons, pardon. Peter joue à Eurotruc. Tiens, il y avait longtemps. Par contre, moi, je sais pas pourquoi, mais je l'ai plus dans mes amis Skype. Oh. Il est sur Steam. Je sais pas s'il m'a viré. Je sais pas. Pas bien. A virer son réseau. Non, je pense pas qu'il t'ait saqué. Moi j'ai saqué personne. Enfin, j'en ai saqué quelques-uns, mais pas Peter en tout cas. Ouais, t'en as saqué aussi une bonne paire. Je l'ai saqué, mais en tout cas, j'ai pas saqué Peter. Hein. Moi, Peter, j'ai toujours sans souci. Je sais pas si c'est lui qui m'a viré. Bon, pourquoi qui t'aurait viré? Bon, c'est encore un bug à la con. Je pourrais bien. En tout cas, on va profiter de Skype quand même, les amis, parce que normalement, c'est prévu qu'il boucle le 25, oui. Après, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou quoi, on verra bien le 25. Ouais, je t'ai envoyé le message, ouais. Il y a une meuf, elle m'a dit, c'est pas vrai ce message. On verra bien. Et non, allez, putain, comment j'ai pas fait de PV là dans cette vidéo. Je l'ai compte même plus. Incomptable. Oh, mon Dieu. L'enfermine 15, vous avez vu? Attends, tu m'as dit moi? Ouais. Ça va pas être moi, hein. Pour l'instant, j'ai pas l'habitude avec leur machine. Bon, ça va, je l'ai l'habitude. Okay. Et après j'ai fini avec les réseaux.
La seule habitude que j'ai maintenant, c'est la moisson et tout ça, je la fais en vie à l'intérieur. Ouais. Ah ouais, sans souci, question de conduite. Force. Faut dire que question de conduite, c'est quand même un peu mieux foutu que Fermine 13. Ouais. Toujours en rouge avec le cap ça me rêve.
de vidéo. Donc on va se laisser la porte bas, donc à très bientôt les amis, portez-vous bien, et ne pouvez pas vivre les jeux vidéo. Salut à tous. Il dit, mais salut.